Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle je vais vous apprendre à débloquer en quelques secondes la nouvelle variante pour le skin Lara Croft. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, on a trois variantes pour le skin, la variante de base, la variante 25e anniversaire et la variante classique. On va donc pouvoir débloquer une nouvelle variante où le skin sera totalement en or, donc une variante plutôt stylée. Pour ça, ça va être assez simple, ça va prendre quelques secondes comme je vous le disais. La seule condition, les potes, c'est d'être le premier à le faire dans la partie. Alors vous pourrez utiliser n'importe quel mode de jeu entre solo, duo, trio, section ou arène, peu importe. Je pense que vous pouvez aussi le faire en foire d'empoigne, à vérifier, vous me direz en commentaire. Du coup, de mon côté, pour me simplifier la tâche et être sûr de ne pas être embêté par les autres joueurs, je vais faire ça dans une partie comblée de bots, comme ça je serai vraiment tranquille. Donc voilà, j'ai invité mon compte secondaire, évidemment vous n'êtes pas obligé de faire ça, par contre vous pouvez ajouter le code créateur Toto dans la boutique, ça fait toujours plaisir. Sans perdre plus de temps, on lance une petite game et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Ok, donc c'est parti, on est dans le bus de combat et pour ça, bah, il faudra simplement se rendre au nouvel endroit qui est arrivé avec la mise à jour d'aujourd'hui. C'est un endroit qui se trouve au sud de la carte. Alors on est parti, comme je vous l'ai dit les potes, il faudra être le premier à arriver, c'est pourquoi c'est assez compliqué en ce moment, enfin aujourd'hui on va dire, il y a beaucoup de personnes qui essaient de faire le défi. Et donc comme vous pouvez le constater, il y a un nouveau bâtiment sur cette île, à la base il n'y avait absolument rien et il y a également un nouveau PNJ. Alors il est juste ici et vous pouvez voir qu'il s'agit de la femme d'Oro, le skin qui est arrivé avec la mise à jour d'aujourd'hui. Alors on va commencer par s'approcher. Comme vous l'avez entendu, elle nous réclame de l'or. Ça fait un bruit assez flippant. Donc la première fois que vous allez y aller, je pense que ça va vous faire flipper. Là, carrément, elle nous demande une donation. Alors, quand on va là, on peut justement continuer. Je sais pas trop ce qu'elle nous demande comme donation. Elle nous réclame de l'or, mais je sais pas comment lui donner. Mais bon, ça on s'en fout, c'est pas nécessaire pour le défi. Ce que vous allez devoir faire les potes, c'est tout simplement récupérer la Scar légendaire qui est juste là et qui appartient à Aurelia. Vous la récupérez avec le skin et regardez, il s'est transformé en or les potes. On a la nouvelle variante. Alors il y a également une faille juste ici que vous pouvez utiliser pour vous sauver puisque le bot va sinon essayer de vous tuer. Et comme vous pouvez le constater, on a bien débloqué la variante de Lara Croft qui honnêtement, on va pas se mytho, est vraiment stylée. J'adore sa variante en or, dites-moi maintenant ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, ça prend vraiment quelques secondes, il faut juste aller voir le personnage, récupérer son arme en or et ne rien faire à part survivre en fait tout simplement. Franchement, rien à dire sur le skin, très bien réussi. On va maintenant quitter la partie pour voir justement si on l'a bien débloqué dans le casier. Alors je vais me suicider pour être sûr que ça enregistre bien, parce qu'on est quand même dans une game bot, on sait jamais. Ok, c'est parfait, on va pouvoir quitter la partie et on espère qu'on l'a débloqué. Ok les mecs, c'est nickel, vous le voyez à l'écran, on a débloqué la variante anniversaire or du skin Lara Croft. C'était très rapide, très simple et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Par contre, je sais pas si c'est nécessaire d'équiper le skin Lara Croft pour faire le défi, je pense que oui, mais à vous de me dire en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus sur la vidéo si elle vous a plu, pensez à la partager à vos potes pour qu'ils fassent eux aussi le défi, et sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt, allez, ciao les potes! What is love? Lately I've been wondering just what is love? What is love?